Bonsoir mes gars, bonsoir mes ladies, je check. Alors comme je le disais dans la vidéo, Marquin du désert, il y a une vidéo en interview où je parle justement des beatmakers qui ont travaillé avec moi. Donc il y a Sparrow, pareil il est sur Facebook, il y a Kazawan, il y a Sick, il y a Gens, il y a Treshko. Chaque fois j'en oublie un, donc regarde l'autre vidéo pour savoir si j'en oublie même pas. Voilà, donc ça c'est les beatmakers. C'est peut-être qu'on suit un mauvais chemin, un schéma qui nous ont construit. Mais nos mères, elles, souffrent en silence. Et le nombre de cas sociaux paieront le salaire d'après. Mon équipe, on va dire, c'est sur ce projet, j'ai travaillé vraiment tout seul sur le projet artistique. Après, avec moi, il y a mon équipe audiovisuelle, donc Apex. Qui sont il y a Facebook aussi, vous pouvez les retrouver. Donc ils sont trois à l'heure d'aujourd'hui. Donc H, Ayman Talbi, dit Ayman, et Kanjamal Wilfried, dit Will. Voilà, ça c'est pour l'équipe audiovisuelle. Ensuite, autour de moi, vraiment, qui m'ont donné un coup de main, Scar Logan, Black Madi. Voilà, ça c'est mes gars. YKO qui a fait le design, RC L'Oracle qui a fait le mixage. Voilà, ça c'est mon équipe. Et puis aussi un gros big up aux autres, c'est-à-dire ceux qui sont occupés de tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire Gwen HP, Julien Eggman, Fabulous Fab qui va se reconnaître. Voilà à peu près les gens avec qui j'ai bossé. Alors, ouvert à n'importe quel feat, Marquin, non, je pense que comme tout le monde, il faut faire une petite sélection. Non, je n'ai pas de... C'est au feeling. Voilà. Donc, au feeling, si le feeling il passe, je peux faire un feat avec quelqu'un qui débute comme avec quelqu'un qui a plus de poids ou quelqu'un qui, on va dire, qui est au milieu du game. Donc non, j'ai pas de... Je fais pas n'importe quel feat, mais c'est un choix artistique et infini. Surtout aussi un message. Voilà. Et au niveau de... Est-ce que je demande un billet ou pas, ça dépend. Ça dépend du déplacement, ça dépend... Je demande pas de billet à l'heure d'aujourd'hui pour poser. Voilà. Mais s'il y a un déplacement à faire, un studio, voilà, c'est la personne qui veut le feat qui assure sur le studio... sur le studio et le déplacement, voilà. Mais sinon non, je demande pas de billets, en tout cas pas pour l'instant. Après c'est pas dit que non, voilà, non, je demande pas de billets. Voilà Marca, j'espère que je t'ai répondu. C'est vraiment beau. Alors Gonel, déjà merci parce que tu me dis que c'est un projet qui a été riche artistiquement. C'est ce que je recherchais au niveau des instrus, des mélodies, des thèmes et des messages. Donc déjà merci pour ça. Et est-ce que je me sens prêt pour en faire un nouveau? Bien sûr, je pense que le premier a été décisif. Donc pour moi c'est une réussite. Les gens apprécient, les gens regardent les clips. Donc, oui, il y aura d'autres projets, il y aura un deuxième projet. Là, je commence déjà à récupérer des instrus. D'ailleurs, pour ceux qui regardent, pour tous les beatmakers qui regardent, envoyez vos instrus. Et puis, normalement, il y aura un projet. Et comme Gonel demande, il faut que ce soit riche artistiquement. Donc, pour faire plaisir à Gwen, envoyez des instrus très riches. Voilà, comme ça, on sera riche. La tête tu l'aimes ou tu la quittes, sinon les hyènes, les loups, les chiens et les renards transforment en biche. En cloque, en loque, tu seras jusqu'à que les secs dans l'ombre de l'ordre. Tu seras, c'est ainsi. Alors Yovan, qu'est-ce qui me motive à continuer dans la musique? Alors premièrement, c'est vous, c'est les gens. C'est-à-dire que voilà, tout simplement, au début tu te dis bon je veux faire un peu tu penses à faire des sous, ça fait pas des sous aujourd'hui, je suis pas millionnaire par rapport à la musique, mais les gens apprécient. Et puis je me dis aussi que des fois tu peux traiter d'un sujet, avoir une vision d'un sujet et de faire un morceau qui peut-être
rebooster quelqu'un qui peut peut-être parler de quelque chose qu'il a vécu, ou peut-être tu vas peut-être décrire ce que la personne ne peut pas décrire. Donc c'est vraiment par rapport aux gens, par rapport aux auditeurs que je me calque pour continuer à avancer. Donc ma motivation, elle est par rapport aux gens et pas par rapport aux autres rappeurs qui font... À un moment aussi, j'y ai pensé, ouais, mais les rappeurs français, ils font ça, mais en fait, ça sert à rien, faut faire ta musique, et puis voilà. Donc voilà, c'est ce qui me motive, c'est vous, c'est les gens. Yes. La vie sera autrement quand on sera refait. Tu penses qu'on chipothèque, c'est du mytho? Eh bien non, quand l'État resserre les taux, c'est le peuple qui goûte au néant. Inquiète-toi et garde un œil sur ta caisse ici les pires. Alors Olivier, le prochain album, je vais pas te donner de date parce que ça demande toujours du temps. Et là, je suis toujours sur la promo du premier. Donc la seule chose que je peux te dire, c'est que j'essaierai en tout cas de vous tenir au courant sur l'évolution du projet. Voilà. Mais il y aura un deux. On cherche l'or, quitte à faire des trucs sales. Les Russes, le charbon, on veut trouver une faille. Pour les bleus, il y aura du gros, j'ai de la tisse. Bienvenue dans la crise.